Salut les petits loups, c'est Gizé. Bienvenue au pays des amis, de l'île aux enfants. Et l'autre jour, tu étais avec l'île et Petit Mouton. Et aujourd'hui, nous sommes avec le mandarin et l'oiseau pour découvrir cette très belle histoire d'Idriss Lahore. Un jour, il y a de cela très très longtemps, j'étais allé me promener dans la forêt derrière ma petite maison. Soudain, je trouvais un petit oiseau recouvert de boue. Il était allongé là avec une aile brisée. Je l'ai ramassé et emporté chez moi. J'ai lavé son plumage et au fur et à mesure que je nettoyais ses plumes, une à une, des couleurs de plus en plus belles apparaissaient et je vis que c'était là. Un petit oiseau merveilleux. Je l'ai soigné pour qu'il puisse à nouveau s'envoler dans les airs et vers les nuages. Et lorsqu'il fut guéri pour me remercier, il me raconta en chantant cette belle histoire. Écoute bien cette histoire. C'est une histoire d'humain. Il était une fois un mandarin dans un pays lointain, là-bas, tout au bout du monde, à la frontière de l'Empire de Chine. Ce mandarin était un homme riche et puissant. Il régnait en maître sur les hommes, les animaux et les arbres de ce pays. Ta-da-dam. Hélas, ce n'était pas un bon maître. Il était méchant et cruel. Il n'aimait personne et tout le monde le haïssait. Car, avec ses gardes armés de sabres et de grandes lances, il prenait l'argent de ses sujets qui travaillaient très durement pour le gagner. Le paysan labourait son champ et récoltait son riz pour l'engranger dans son grenier. Alors le mandarin venait avec ses gardes pour lui prendre toutes ses récoltes. Le cordonnier, lui, fabriquait ses chaussures du matin au soir pour les vendre à tous ceux qui en avaient besoin. Mais le soir, le mandarin venait et lui prenait tout son argent. Il agissait de la même façon avec le gros boulanger et le vieux barbier, avec la petite fleuriste et même avec la belle épicière. Alors il ne restait à tout ce petit peuple plus grand-chose pour acheter à manger, par exemple. Et tous ces malheureux vivaient dans la misère, la faim et la tristesse à cause du méchant mandarin. Lorsque quelqu'un osait se révolter et refusait de donner son argent au mandarin, celui-ci le faisait fouetter et jeté derrière les barreaux de ses sinistres cachots. Là, on le laissait mourir de faim. Oui, ce mandarin était méchant et très cruel. Il avait cependant dans son cœur une passion. Il aimait les oiseaux. Il avait fait construire dans ses jardins des cages grandes comme des maisons, pleine de toutes sortes d'oiseaux aux plumes de toutes les couleurs, qui sifflaient et chantaient toute la journée. Tous les jours, le mandarin restait seul des heures entières à se promener au milieu de ces oiseaux. Il y en avait des petits et des grands, des gros et des maigres. Ils étaient d'une telle multitude de couleurs qu'on aurait cru un arc-en-ciel de plumes. C'était une véritable féerie. À cette époque-là, tous les oiseaux chantaient et sifflaient merveilleusement bien, même le paon aux plumes magnifiques et aussi la cigogne aux pattes fines comme des baguettes ou la jolie tourterelle qui toute la journée
roucoulait d'amour. Il y avait des pinsons, des rouges-gorges, des merles et des hirondelles, et même une autruche au grand cou et des cygnes au plumage blanc comme neige. Lorsqu'il était au milieu de ces oiseaux, le mandarin ne semblait plus ni méchant ni cruel. Il y avait toujours sur ses lèvres un sourire et ses yeux brillaient de plaisir. Mais personne ne pouvait le voir, car il avait interdit qu'on approche des oiseaux. Des gardes, avec leurs grandes lances, se tenaient à l'entrée du jardin et tuaient tous ceux qui osaient s'y présenter. Le mandarin s'occupait seul de ces oiseaux. Il leur apportait à boire et à manger. Lorsqu'ils étaient malades, lui seul les soignait. Il aimait tant ces oiseaux. Un jour, le mandarin décida de faire une grande promenade dans les collines autour de son village. Il avait entendu parler d'un vieil homme qui habitait dans une grotte au sommet de la montagne. On disait de lui qu'il était vieux, écoute bien, vieux de 5000 ans, et qu'il était un grand sage. On disait aussi qu'il savait parler aux oiseaux. Le mandarin se mit en route vers la grotte du vieil homme de la montagne. Il voulait que le vieil homme lui enseigne le langage des oiseaux afin de pouvoir leur parler aussi. Après avoir traversé des torrents et des précipices, après avoir grimpé sur des monts et sur des pics, il arriva enfin près du sommet de la montagne. Dans la clairière devant la grotte, le vieil homme de la montagne était assis sur le sol, les jambes croisées et les yeux fermés. Il avait une longue barbe et de longs cheveux blancs, aussi blancs que les nuages immaculés du ciel. Sur son épaule gauche, comme moi, était perché un oiseau merveilleux, et tout autour de lui, dans les airs et sur les branches des arbres, chantaient et sifflaient des centaines d'oiseaux. En voyant tout cela, le mandarin fut émerveillé et resta sur place, comme paralysé. C'était encore plus beau que dans son propre jardin. Tu imagines? Soudain, le vieil homme se leva. Tous les oiseaux dans les arbres et dans le ciel s'envolèrent et disparurent, sauf le petit oiseau merveilleux qui resta sur son épaule gauche. Il se mit à chanter le chant le plus mélodieux du monde. Le vieil homme de la montagne s'avança vers le mandarin, le salua et lui demanda « Mandarin, qu'es-tu venu chercher si loin dans la montagne ?» Le mandarin répondit « Je suis venu près de toi pour t'ordonner de m'apprendre à parler aux oiseaux. » Mais le vieil homme lui avoua « Tu sais que je suis aveugle et que mes yeux ne voient plus que la lumière. Mais je vois dans le cœur des hommes et je sais que toi, tu es un homme méchant et cruel avec tes semblables. Or, seul un homme au cœur pur, juste et bon, peut apprendre à parler aux oiseaux. Alors toi, va-t'en !» En entendant ces paroles, le mandarin sentit la colère monter en lui, mais il se contint et dit « Oui, je m'en vais. » Et soudain, profitant de la cécité du vieil homme de la montagne, il s'empara de l'oiseau merveilleux perché sur son épaule,
le mit dans son grand sac et s'enfuit à toutes jambes vers son village. Arrivé dans son jardin, il sortit l'oiseau merveilleux de son sac, ouvrit la porte de l'une des cages et l'y fit entrer. Cet oiseau était le plus beau qu'il eût jamais vu. Et il se souvenait encore de son chant mélodieux quand le vieil homme de la montagne s'était levé. Le lendemain, il revint se promener dans son jardin au milieu des oiseaux et il se dirigea vers l'oiseau merveilleux. Celui-ci était perché, silencieux. Il ne sifflait ni ne chantait. Tous les matins et tous les soirs, le mandarin revint le voir. Il était tombé amoureux de l'oiseau au merveilleux plumage. Mais l'oiseau merveilleux ne chantait jamais. Alors le mandarin se dit, « Il faut le sortir de cette cage car trop d'autres oiseaux y habitent. C'est pourquoi il ne chante pas. » Il lui fit construire une cage pour lui tout seul et attendit qu'il se mette à chanter. Mais l'oiseau ne chantait toujours pas. Alors il fit construire une cage plus grande encore. Et comme l'oiseau restait silencieux, il fit construire une cage encore plus grande et une autre plus grande encore et une autre. L'oiseau ne chantait toujours pas. Ce fut alors une cage avec des barreaux tout en or, mais au grand désespoir du mandarin, l'oiseau ne chantait toujours pas. Or, il arriva que l'oiseau croit, l'oiseau préféré du mandarin avant la venue du petit oiseau merveilleux, devint jaloux. Et un matin, pour regagner les faveurs de son maître, il ouvrit la cage en or et le petit oiseau merveilleux s'envola pour retourner vers le vieil homme de la montagne. Lorsqu'au lever du jour, le mandarin vint dans son jardin au milieu des oiseaux, il se dirigea vers la cage en or. Il vit la porte ouverte et la cage vide. Il comprit que l'oiseau merveilleux s'était envolé. Il en fut triste, car celui qu'il aimait le plus au monde avait disparu. Il devint si triste et si mélancolique qu'il ne mangeait plus rien, ne venait même plus se promener dans son jardin et finit même par tomber malade. Ses forces se mirent à décliner. Il restait seul, enfermé dans sa chambre, et personne ne venait le voir car personne ne l'aimait. Il était si méchant et si cruel que personne ne voulait s'occuper de lui et le soigner. Et il était prêt de mourir dans sa solitude. Abandonné de tous, il n'avait même plus la force de se lever de son lit. Un matin, à l'aube, il entendit soudain un petit bruit sur le bord de sa fenêtre. Il avait tout juste encore assez de force pour entrouvrir les paupières et il vit l'oiseau merveilleux qui le regardait et qui se mit à chanter de sa voix si mélodieuse. C'était le vieil homme de la montagne qui l'envoyait. À chaque son qui sortait de sa gorge, à chaque note de son chant, le mandarin sentait comme une force monter en lui. C'était comme s'il renaissait. L'oiseau merveilleux était le remède magique, le médicament merveilleux qui le guérissait. Il sentit comme son corps retrouvait sa vigueur et comme son cœur devenait toujours plus joyeux. L'oiseau s'était perché sur son épaule droite et lui murmurait son doux chant à l'oreille et en même temps une chose extraordinaire se passait. Son cœur se transformait. Il se sentait devenir bon et généreux et il décida de réparer tout le mal qu'il avait commis.
Il fit d'abord enlever toutes les portes des cages des oiseaux pour qu'ils puissent s'envoler librement dans le ciel et y revenir cependant pour s'y abriter. Puis il fit ouvrir tous ses greniers et tous ses coffres-forts pour distribuer aux villageois la nourriture et les trésors qu'il avait accumulés. Il fit libérer tous les prisonniers. Les villageois qui voyaient tout cela n'en croyaient pas leurs yeux. Ensuite, il organisa une grande fête où tous les gens et tous les animaux furent invités. Et il tint un grand discours. Il ne serait plus jamais méchant et cruel. Et dans son royaume, personne ne souffrirait plus de faim ni de froid. À ces mots, les hommes et les femmes et tous les enfants se mirent à chanter de joie, car une grande période de bonheur commençait. Au bout de cette année de bonheur, le mandarin remarqua que le petit oiseau merveilleux devenait mélancolique, qu'il chantait moins souvent et toujours des chants tristes. Il pensa que l'oiseau était malade et il fit venir le médecin qui lui dit, après avoir examiné l'oiseau, « Votre oiseau n'est pas malade, il est mélancolique. Il se sent seul car parmi tous les oiseaux du ciel, il n'y en a pas un qui lui ressemble. Il lui manque un compagnon. » Le mandarin fit chercher dans tout le pays un autre oiseau merveilleux, mais personne ne put lui en apporter un. Il le fit chercher dans tout l'empire de Chine, en vain. L'oiseau merveilleux devenait toujours plus triste et il ne chantait presque plus. Le mandarin décida de retourner voir le vieil homme de la montagne pour lui demander ce qu'il devait faire. Lorsqu'il fut arrivé dans la clairière, devant la grotte, près du sommet de la montagne, il s'approcha du vieil homme. Le vieil homme lui dit « Tu trouveras un autre oiseau merveilleux là où la terre finit et où commence un autre monde, très loin, là-bas. Il y a une île que personne n'a jamais vue car elle est au-delà des mers et des océans. »